Good morning à la Yiden et l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Chayin Orber Ben Fortuné Mazal Rachamim Ben Rosa Yedida Bat Esther. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Rin, Perek Tet, le dernier Perek de Maserhet Rin. Amocher et Sadeu Bishat Ayovel Eno Mutar Ligol Pachut Mishte Shanim. Sheneemar Bemispar Shene Tevuot Imkor Lach. Haïta Shnat Shidafon Virakon Oshviit Ena Olalo Minaminyan. Nara Ohovira. Olalo minaminyan. Rabbi Elazar Omer, Mechara lo lifnei Rosh Hashanah vehimele aperot, areze ochel mimena shalosh tevuot lishtei shanim. On débute dans ce chapitre de Perek Tet, un sujet très intéressant, comme toute la Torah Baruch Hashem, qui se trouve dans Parashat Behar. On parle longuement, je vous fais très rapidement une petite skira, un petit survol de Behar en fait, qui traite essentiellement des geoulot, du rachat des terres que l'on vend. La Torah a insisté que chaque personne qui va recevoir une parcelle de terre de ses ancêtres, elle va donner, ou une maison même, alors la Torah va donner plusieurs droits qui vont faire qu'il va pouvoir facilement racheter cette terre, racheter cette maison, en donnant, selon le cas, en donnant des droits, en lui permettant de racheter jusqu'au Yovel, en faisant tout simplement que ça va revenir au Yovel. Toutes sortes de halakhot qu'on va découvrir tout au long du Perek, selon le cas. Succinctement, on va parler de trois types de maisons. Il y a tout d'abord Sder Chouza, ce qu'on appelle le champ que l'on a hérité de ses ancêtres. Si je le vends à quelqu'un, parce que j'avais besoin d'argent, d'abord, vous vous souvenez, ce champ va me revenir au Yovel. Premièrement, lorsqu'il va avoir tous les 50 ans, alors, on fait Veshav, Ish, El, Mishparto, Ish, El, Chuzato, Yashuv. Le Talatoir, elle a dit qu'on rend chaque personne qui récupère ça, chaque Ben Israël récupère sa parcelle de ses ancêtres. Et on, entre parenthèses aussi, on libère aussi les esclaves. C'est aussi dans cette même paracha. Premièrement, donc jusqu'au Yovel, on libère. Mais même mieux que ça, la Torah a même laissé le droit à celui qui vend de racheter sa parcelle de terre. Racheter sa parcelle de terre, alors maintenant on apprendra, par exemple, pour un champ, tout d'abord, celui qui achète, pendant 2 ans il exploite. Après 2 ans, je viens et je rachète. Ça, c'est lorsque je vais vendre mon champ. La Torah va donner des halakhot différentes, par contre, lorsqu'on va vendre une baït, bebaté, arichoma. Il y avait aussi des gens qui ont hérité des villes, qui étaient fortifiées. Alors lorsqu'on a hérité d'une ville fortifiée, cette fois-ci, les règles changent. La maison ne revient plus au Yovel. Mais lorsque je la vends, j'ai 1 an pour la racheter. Et même si ce n'est pas la parcelle que j'ai héritée de mes parents. De mes arrière-grands-parents, d'accord ? Même si c'est pas la parcelle de terre que j'ai héritée de mes arrière-grands-parents, je l'ai achetée, il y a mon arrière-grand-père qui l'a achetée de quelqu'un de la tribu de Réhouven il y a 12 générations, même il y a, peu importe, même il y a 2 générations. Alors, maintenant, j'ai hérité cette maison, je vis dedans, j'ai besoin d'argent, je la vends, la Torah me dit, bon, si tu veux, tu as 1 an pour la racheter. Après 1 an, tu ne pourras plus la racheter, elle ne te reviendra plus jamais au Yovel. Il y a encore un autre cas de figure qui s'appellera une maison, mais qui n'est pas d'une ville fortifiée. Là, on va se retrouver à profiter des lois, des avantages, en fait, on va danser dans les 2 mariages. On aura les avantages des lois des maisons des villes fortifiées et les avantages des lois des champs, comme on découvrira ça tout au long des Mishnayot, Bezrat Hashem. Ça va être le sujet essentiel de notre Perek. Il y a aussi un petit chapitre particulier, un petit sujet un petit peu à part, c'est les Lévi'im qui vont vendre leur maison, de quelle manière on a déjà évoqué des notions. Ça ressemble entre parenthèses aussi beaucoup à, pas mal, à ce qu'on a évoqué dans le Perek précédent, où on apprenait aussi qu'il y avait des droits, des priorités, pour celui qui a sanctifié son champ, qui pourra le racheter, il aura le droit de le racheter, sera prioritaire, bon, là-bas il devra payer plus cher que n'importe qui, c'est un petit peu différent, mais on va comparer d'ailleurs quelques halakhot en Mishnah Bet, quelques halakhot de là-bas par rapport à celle d'ici, c'est le même sujet. Et si déjà, je vous le rapporte aussi, il y a encore un autre cas particulier, c'est les esclaves. Il y a, c'est aussi explicité dans la paracha, on ne va pas en parler, je crois, dans ce Perek, mais on va pas parler directement des lois des esclaves, on va parler des lois qu'on va apprendre des lois des esclaves. Donc je vous explique aussi le principe aussi, c'est qu'il y a un esclave, donc un esclave juif, quelqu'un, un juif qui se vend, tout d'abord, lui, il doit sortir, lorsqu'il y aura le Yovel, il ressort. Entre parenthèses, l'histoire de l'esclave qui est vendu que pour 6 ans, c'est pas exact. C'est 6 ans s'il est vendu par le Beddin parce qu'il est volé. Mais une personne qui se vend de son propre gré, alors il peut se vendre pour 10 ans, pour 12 ans, pour 15 ans, mais il est limité jusqu'au Yovel. Il ne pourra pas se vendre plus que le Yovel. Le Yovel arrive, obligé de sortir.
Le Shav, Ish El Mishparto, Veisham Mishalachuzato, Veisham Mishalachuzato, Veisham Mishparto Yashuv. C'est le passage qui nous dit les hommes reviendront à leur terre, et les hommes reviendront à leur famille aussi, récupèrent son statut. Premièrement. Maintenant, il faut savoir aussi, lorsque je me suis vendu pour 15 ans, pour 20 ans, ou jusqu'au Yovel, eh bien, j'ai aussi la possibilité de me racheter. Si je veux, je viens et je paye. Tu m'as acheté à... Allez, pour un beau gosse comme moi, tu m'as acheté à 5 millions de shekels pour 5 ans. J'ai maintenant refait fortune, j'ai récupéré 3 millions. Alors, après 2 ans, je viens, je donne mes 3 millions et je me rachète les années restantes. Bon, j'ai un peu abusé sur le prix, mais c'est le principe. D'accord ? On apprendra aussi toutes sortes de halakhot. Si déjà aussi je vous l'introduis, peut-être qu'on ne va pas ouvrir le passage, sinon ça fait un cours trop long. Je vous ai déjà vendu un petit peu toute la halakhot, histoire de se familiariser de manière à ce que lorsqu'on va lire les Mishnayot, eh bien, on pourra ensuite avancer un peu plus vite. Il y a aussi un sujet qui va apparaître, ça va être le principe de libérer à moitié. Selon le cas aussi, j'ai vendu mon champ pour 30 ans, donc il me restait 30 ans jusqu'au level, donc j'ai vendu pour les 30 années. Après 10 ans, j'ai à moitié refait fortune. J'ai maintenant, en déduisant selon le prix initial, on va diviser par 30 et on va donc réduire le tiers du prix, puisqu'on a déjà passé 10 ans, je vais devoir acheter selon le prix restant, j'ai la moitié de cette somme. Est-ce que je vais pouvoir acheter la moitié du champ? Là, on va dire que non. Il y a à la différence du Hekdesh qu'on avait évoqué. Toutes sortes de halakhot comme ça qu'on va découvrir. On débute directement maintenant notre première Mishnah, Bezrat Hashem. Amocher et Sadehu Bishat HaYovel, celui qui va vendre son champ à l'époque où il y avait le Yovel, où on appliquait les lois du Yovel. Il y avait tout l'homme Israël sur sa terre. Alors, à la différence du cas où il y a eu quelques tribus qui ont été exilées, comme ça a été le cas à un moment du Beit Rishon déjà, il y avait les Bnegas de Bnei Reuven qui n'étaient plus chez eux, Sadehu Bishat HaYovel les avait exilés, donc il n'y avait plus le Yovel qui était en règle, comme ce qu'on apprenait au début du Perek, je ne sais plus si c'était le 8 ou le 7. Il y avait Mishnah là-bas qui l'expliquait, où c'était. Ouais, Bishashem Ayol, c'est le père et Chet. D'accord ? Donc, celui qui vend sa maison, son champ, à l'époque du Yovel, où il y a le Yovel qui est en vigueur, En Moutar Ligol Pachut Mishtei Shanim, il ne pourra pas le racheter à moins de 2 ans. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Bemispar Chene Tevuot Imkor Lach. Comme nous dit le verset, selon le nombre d'années de récolte, il te vendra. Il faut quand même ouvrir le pasouk, mais sans voir toute la parasha, mais juste celui-ci quand même, parce que ça vaut le coup. Vechitim kero mimkar amitecha, 2 secondes. Voilà, c'est ma machala. Vemispar shanim. Voilà, je suis tout dessus. Bon, prochain. Alors, on a comme ça, on est au début de parasha de Béar. Pasouk yud dalet, la Torah introduit. Vechitim kero mimkar amitecha, o kanum yad amitecha, al tonum shet achiv. Lorsque vous achèterez un achat, alors vous ne tromperez pas l'un à l'autre. Et il faudra, on parle en référence avec la vente des champs, Bemispar Shani Machara Yovel Tiknemet Amitecha, selon les années restantes, jusqu'au Yovel, tu achèteras de ton prochain. Bemispar Shani Tevuot Imkorlach, il te vendra selon les années de récolte, il te les vendra. C'est-à-dire qu'en fait, on a depuis maintenant. On a encore 27 ans, le Yovel par exemple, eh bien on doit calculer qu'il reste 27 ans, donc 27 années de récolte, ça coûte tant et tant. Et les filles, Rov Hashanim Tarbe Miknato, le Fimirot Hashanim Tamit Miknato, tu fixeras les prix selon les années qu'il y a, s'il y a beaucoup d'années ou s'il y a peu d'années, qui mispartez-vous, otto mon frère lach, car on ne vend pas le bien, le gouffre, le bien lui-même, on vend plutôt l'exploitation du champ. La Torah, comme ça, elle a explicité. Du fait que la Torah a insisté sur le mot qui mispart, et voit, il te vend le nombre des années. Alors, non, c'était celui-ci plutôt. Il te vend des années de dvoua. Alors, on apprend de là que lorsque je vends un champ, eh bien, je lui vends des années, je dois lui vendre au moins des années. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, je dois lui vendre au minimum 2 années de récolte. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre un champ et venir après 2 semaines et le racheter. Ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser l'autre exploiter le champ pendant 2 ans. D'accord ? Il y a pire que ça. Même si l'autre accepte de me le revendre, il n'a pas le droit de le faire. Le partenaire nous rapporte qu'il y a un interdit explicite déduit là-bas de ces mêmes psukim. Au verbe « assez ». C'est un ordre de la Torah de revendre qu'après 2 ans. Ensuite, la Mishnah continue en me disant « Sache que je t'ai demandé de calculer 2 ans, mais ce n'est pas exact. Des fois, c'est même un peu plus. » Haïta shnat shidafon virakon oshvi'it.
Si c'était une année de où les récoltes n'ont pas produit, où il y a eu des maladies, des épidémies, je ne sais pas le mot exact pour Chidaphone Viracone, c'est toutes sortes d'épidémies qui frappaient les récoltes à l'époque, aujourd'hui encore, aujourd'hui on s'est un peu paré à ces problèmes. Mais en tout cas, si c'était donc une année où il n'y a pas eu de fruits, il n'y a pas eu d'exploitation, on a planté puis tout a été saccagé. Donc finalement, le pauvre, l'acheteur qui devait profiter deux ans, eh bien, il a eu une année qui est partie en fumée. À notre époque, on n'a plus les sauterelles, on n'a plus les trucs, mais on a les Palestiniens qui nous envoient des ballons qui font des incendies, qui font des ravages dans le sud. D'accord, c'est un peu le même problème. L'homme qui résoudrait des problèmes, il va résoudre le problème sur ce front, ça va lui péter de l'autre côté. C'est la règle. Hachem, il a fixé un ordre dans le monde, il faut faire sa volonté pour que ça marche bien. Et si on ne fait pas sa volonté, ça ne marchera pas, même si on développe toutes sortes de solutions. Enfin, on revient sur notre Mishnah. Aïtachna, donc si c'était une année où il y a eu des épidémies, ou bien tout simplement une année de Shvit, où il n'a pas pu exploiter. Alors, Enaolalo Minaminan, on ne comptera pas cette année-là selon le compte des deux années. Je t'ai demandé, Shenet Tvuot. Le fait que la Torah a insisté sur des années d'exploitation de Tvua, de récolte, il faut qu'il y ait de la récolte concrète. Mais attention, Nara Ovira, s'il a laissé le champ en jachère, on va expliquer c'est quoi, je finis d'avoir la phrase, Olalo Minaminan. Par contre, s'il a laissé l'année en jachère, mais c'est lui qui a voulu le faire, c'était pas l'année de la septième. C'est lui qui a décidé de laisser le champ comme ça. Alors, Olalo Minaminan, là, cette fois-ci, on comptera cette année dans le décompte des deux ans, parce que là, c'est son problème. C'est quoi Nara Ohovira? C'est simple. Il y a deux manières de laisser un champ en jachère pour qu'il se ressource un petit peu, pour qu'il se retape. Deux solutions. Soit on le laisse tout simplement tel quel. Mais encore une autre solution, c'est de le labourer et de le laisser tel quel pendant qu'il est labouré. Je ne sais pas dans quelle situation on agit ainsi ou comme ça. Je sais que les deux solutions existent encore aujourd'hui. J'ai déjà vu en enfance, que je suis parti voir une fois, ça m'est arrivé de rentrer dans des champs qui étaient en jachère, mais que je me souviens qu'ils s'étaient souciés de le labourer avant de le laisser tel quel. Apparemment, j'imagine que quand on le laboure, d'abord, ça permet de, comme ça va apporter dans les morts, en tout cas, ça permet d'éliminer toutes sortes de mauvaises pousses, d'orties et de végétaux sauvages comme ça, qui affaiblissent le champ. Lorsque des orties poussent, ça affaiblit, ça puise des forces du champ. Donc, en fait, le fait de labourer, ça va faire qu'on va les tuer. Ça... Comme ça, en tout cas, c'est Nara et Ovira. Ovira, c'est le laisser tel quel. Et Nara, c'est le labourer avant de le laisser en jachère. Et donc, cette année-là, elle compte minaminan, elle compte selon le décompte des deux ans, parce que nous, de notre côté, on t'a laissé la possibilité d'exploiter, t'avais aucune raison de ne pas l'exploiter, donc c'est ton problème, t'avais les deux ans devant toi. On continue avec Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar enseigne, attention, Rabbi Elazar, il a l'air de discuter, mais il ne discute pas, il va nous apprendre un nouveau détail que l'on est tous d'accord pour la halakha. Mechara lo lifne Rosh Hashanah vehim ela perot, s'il lui a vendu le champ avant Rosh Hashanah, et que le champ était plein de fruits, celui-ci pourra manger trois récoltes pendant les deux ans. C'est-à-dire, en fait, je t'ai demandé de patienter deux ans. C'est deux ans d'une date. Hé, hey, Tamouz, Vav Tamouz, tu comptes deux ans, Vav Tamouz. Et donc, si on se retrouve encore, par exemple, avant Rosh Hashanah, par exemple, il va lui vendre le 22 Elul, un champ qui est rempli de récoltes. Alors, il s'avère que maintenant, le 22 Elul de deux ans après... S'il a réussi, alors c'est la question, est-ce qu'il lui vend des années de récolte, des années agricoles ou des années concrètes? Et la réponse, elle est qu'il lui vend des années concrètes. Or, lorsqu'on vend une année concrète, selon le calendrier, alors il s'avère que parfois on peut profiter de trois années de récolte. Et malgré tout, la Torah, la Mishnah, le Rabbi Elazar vient nous enseigner que sache qu'il lui vend des années de calendrier. Même si concrètement, il a réussi à exploiter trois fois le champ, il a réussi à avoir trois années de récolte, dans une plus courte durée, en deux ans même, c'est faisable. C'est faisable si toutefois il a eu le champ, comme je te dis, s'il a acheté le champ à donc le 22 Elul, il a pris la récolte maintenant de l'année Tafshin Aintet, puis après il a pris Tafshin Pe. Tafshin Pe Aleph, il va même pouvoir récolter la... Imaginez déjà, rien que Tafshin Pe, en Elul Tafshin Pe, il aura déjà la deuxième année de récolte. Il aura déjà récolté son blé, le 20 Elul, alors il a déjà eu deux années de récolte, malgré tout, la Torah insiste, tu calcules selon les années du calendrier, donc tu lui donnes encore une année supplémentaire, même si concrètement, il va réussir à manger trois années de récolte. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.